Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Bienvenue sur ma chaîne aussi à tous ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent au travers de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont là, qui me suivent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo make-up. Mais avant ça quand même, il faut que je vous dise quelque chose parce que je me regarde dans le retour, vous devez vous dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Effectivement, ce sont mes cheveux. Alors, je suis allée chez le coiffeur, je vous avais parlé de la transformation capillaire, ce n'est que la première étape. Donc là, ça ne se voit pas trop parce que j'ai la lumière en pleine figure, mais je vous montrerai dehors ce que ça donne vraiment au soleil. Là, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, je trouve ça très joli. En fait, je pars sur une couleur un peu pastel, un peu rose gold, enfin voilà. Vous verrez, ce n'est que la première étape, c'est pour ça que là, c'est un peu rouge, violet et tout, mais... ça va devenir très 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 joli. Bref, on s'en fout. D'ailleurs, je vais attacher mes cheveux. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto make-up avec la fameuse marque qu'on ne voit pas là, Natasha Denona. Il y a des marques comme ça, Pat McGrath, Charlotte Tilbury, Natasha Denona et tout, qui sont hors de prix. Donc moi, qui ne sont pas trop dans mon budget, c'est des marques que j'achète pas trop. Et notamment les palettes de fard à paupières Natasha Denona, elles sont réputées pour leur qualité de fou quoi, incroyable à ce qui paraît, enfin ça fait partie des meilleurs fards du monde. Et donc j'avoue que ça m'a toujours intriguée, enfin quand on est, voilà, quand on est fan de maquillage, qu'on adore ça et tout, on a envie d'essayer. Mais bon, j'avais pas les moyens d'acheter les grosses palettes Natasha Denona quoi, c'est trop cher. Et du coup pendant les soldes sur le site de Sephora, il y avait cette petite palette, parce que Natasha Denona commence à sortir comme ça des mini palettes en fait, justement avec des prix plus accessibles. Et alors moi j'ai pris celle-ci, c'est la mini Sunset palette, que j'ai trouvé à moins de 25 euros sur le site de Sephora en solde. Donc vous voyez, elles sont petites, regardez, par rapport à la taille de ma tête, c'est des mini palettes. Mais voilà, au moins c'est des prix qui sont accessibles et ça permet aux gens qui n'ont pas forcément le budget d'acheter des grosses palettes Natasha Denona, de tester quand même les produits quoi. Et donc c'est celle-ci que j'ai choisie moi, voilà, qui contient donc que 5 fards, hein. C'est pas énorme, mais franchement j'ai trouvé les couleurs trop belles. Alors bah écoutez, on va se faire un petit make-up. Là j'ai juste travaillé, je me rapproche un tout petit peu mon teint, mais vraiment très léger, j'ai même pas mis de fond de teint. J'ai pas mis de base à paupières non plus, je veux vraiment tester les fards tels quels. Donc on a des couleurs de transition, couleurs de base, et là vraiment... trois couleurs vraiment au milieu là, assez intense. C'est une petite palette, mais franchement moi qui me semble assez complète en fait. Enfin, on peut faire un total make-up avec. Et au moins on n'a pas à se poser la question quel fard je choisis, quel fard va avec et tout. Il n'y en a que 5 qui vont tous ensemble. Donc ça c'est bien. Donc c'est parti, on va commencer. Je continuerai à blablater hein, pendant le make-up. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais prendre mon pinceau MAC là, 224S, que j'adore. Bon, celui-là il est cassé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et je vais commencer par appliquer ce petit fard là, qui est là du coup, celui qui est tout à droite, qui est donc une sorte de noisette en fait, mais c'est un mat. Donc comme premier fard, je pense que ce sera très très bien. Bon, celui-là je vais l'appliquer un peu partout, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Et de toute façon je vous montrerai comme d'habitude hein, le résultat du make-up dehors. Et comme ça vous verrez mes cheveux en même temps dehors, parce que en fait vous verrez au soleil, la couleur ne ressort pas du tout comme elle ressort là à l'écran. En fait à l'écran c'est hyper foncé, mais vous verrez au soleil c'est en fait c'est très très clair. Donc c'est parti, on y va. Donc celle là je vais l'appliquer un peu, vous voyez là, ouais c'est bon, un peu partout. Ouais, ça fait très longtemps que je veux essayer ces fards Natasha Denona. Je les vois partout, sur Instagram, sur YouTube, enfin voilà, mais les palettes elles sont, franchement elles sont super chères quoi. Enfin je crois que c'est minimum 60 euros si on veut une palette taille normale, et voilà quoi. Enfin bon, moi j'ai déjà pas mal de palettes de fard à paupières, j'avais pas envie de mettre 60 euros dans une palette. Et je trouve franchement que c'est une super idée là, en 2019 ils ont sorti pas mal de mini palettes comme ça, et c'est top quoi. Moi je partirais plutôt sur ces mini palettes. Et là il y en a une qui vient de sortir, je l'ai vue hier sur Insta, c'est la mini star palette avec que des fards neutres en fait, et elle est magnifique, je la trouve magnifique. Bon, en tout cas ce premier fard franchement, bon vous verrez tout à l'heure, mais là j'ai appliqué deux coups de pinceau et il est déjà appliqué, il est très 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 joli franchement. Ouais, là pour le coup il s'estompe hyper facilement, pour le moment aucun problème, aucune chute, mais je veux voir vraiment s'il valent ouais cette réputation quoi, et ce prix. Bon ben voilà, ça y est, c'est fini pour cet œil. Hein. Je sais pas si vous voyez. Regardez, je vais prendre l'appareil là, tac. Mais celui-là, je l'ai vraiment appliqué
partout en fait. Je l'ai appliqué sur toute ma paupière, fixe et mobile, jusqu'aux sourcils. C'est vraiment ma base. Et pour le coup, il est mat. C'est une très jolie couleur. Effectivement, il s'applique très 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 facilement, ouais. Allez, on va partir sur un deuxième fard pour voir. Alors, j'hésite parce que... j'hésite. Bon, je vais partir sur le marron. Le marron du milieu qui est là. Pour voir un petit peu. Celui-là, je vais l'appliquer, tac, plutôt creux de paupière. Il y a des marques comme ça, hein. C'est pas des marques luxe. Voilà, comme Dior, Lancôme, Givenchy, etc. Mais qui sont quand même super chères. Autant la marque Pat McGrath, là, moi elle me... Bon, pour le moment, elle ne me tente pas trop. Autant j'avoue que Charlotte Tilbury, c'est une marque que j'ai bien envie de tester aussi. Ben, Natasha Denona, j'avais envie de tester, je suis en train de le faire. Mais les produits Charlotte Tilbury, mais surtout les produits teints, me font vraiment envie. Mais c'est pareil, c'est hors de prix, quoi. C'est vraiment cher. Ou alors, il faut attendre les soldes pour avoir des affaires comme la mini palette que j'ai pris là. Très, très, très jolie, hein. Oh là 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 là, ouais, c'est joli. C'est magnifique, ce fard, regardez. C'est un marron. Bon, c'est un marron pur, hein. Mais il est super beau. Et c'est vrai qu'il s'estompe. Bon, j'ai mon pinceau MAC aussi, mais il s'estompe tellement bien. Franchement. Ah ouais, c'est... Bon, franchement, si j'avais été déçue, j'aurais été dégoûtée. Hein, parce que, avec tout ce que j'entends, avec un bon pinceau, là, regardez. Regardez la facilité avec laquelle il s'estompe. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment sympa. Celui-là, donc, je le mets... en fait, je l'ai appliqué dans mon creux de paupière et je le remonte. Je le remonte vers l'extérieur et vers la queue du sourcil. Parce que sur la paupière mobile, je vais plutôt appliquer le rose, je pense. Le rose bien foncé. Ah, c'est joli, hein. Ouais, c'est très joli. Je vais le dégrader un tout petit peu plus ici. Mais voyez, ils font pas de tâches. Et il y a 0, 0, 0 chute. J'ai déjà mis mon anti-cerne, je l'ai déjà poudré. Et franchement, il n'y a aucune chute. J'ai même pas tapoté l'excédent. En plus, j'ai zappé. Ah, il se dégrade vraiment super bien. Ah ouais, je suis épatée. Franchement, je suis épatée. Et ils se fondent les uns avec les autres. C'est très, très, très joli. Je ne sais pas si de là, vous voyez bien. Voilà, regardez de là. Comme déjà, ces deux fards se sont super bien fondus l'un avec l'autre. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment joli. Je me regarde dans le retour, là. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, ben, on va continuer avec avec un troisième fard. Je vais prendre le petit rose, du coup, mais un pinceau plus petit, parce que ça va être trop gros. Je vais prendre un petit, comme ça, un petit pinceau MAC. Donc, je prends ce rose-là, là, celui qui est là, bah, le seul de la palette, en fait, enfin, vraiment le foncé. Il n'y a même pas besoin de tapoter l'excédent, hein. C'est vraiment, c'est top. Je suis contente de tester cette marque, là, Natasha Denona. Oh, l'intensité de la couleur, oh là là. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Celui-là, je vais le mettre sur la paupière mobile, là, et je vais le remonter jusqu'au pli de paupière, mais pas plus haut par contre. Parce que je veux qu'on voit le marron que j'ai mis au-dessus. Donc je vais le remonter jusqu'au creux de paupière et je vais le lier avec le marron. Je pense qu'aussi la marque a voulu élargir son public, hein, en créant ces petites palettes moins chères. Mais moi je trouve ça super, hein, je trouve ça vraiment bien. Que ça reste pas réservé du coup, pas à une élite, mais je veux dire voilà, à des personnes vraiment qui ont les moyens d'acheter les énormes palettes. Que ce soit accessible à tout le monde, quoi. Oh, ce rose est très, très, très joli. Je sais pas, regardez comme il est beau. Et sur l'œil, il fait un effet crémeux, un effet mouillé. Alors qu'en fait, non, c'est un fard poudre. Je l'applique avec un pinceau, là. Il est magnifique. Oh là là. Ben voilà, hein. Tac, je le remonte un peu là, du coup, comme je vous ai dit. Comme ça, je le lie avec le marron. Et puis, c'est fini, quoi. Ils sont tellement simples. Même si vous débutez et tout, franchement, vous pouvez y aller, hein, c'est tellement facile. Et voilà, regardez, c'est fini pour cet œil, c'est tellement joli. Allez, je fais exactement la même chose ici et après, je passerai aux deux autres fards de la palette que j'ai pas essayé parce que je veux quand même essayer les 5. Oh là là, la beauté du fard à paupières, quoi. Il faut que je vous montre de près, il faut que vous voyez l'effet mouillé de près. Regardez, les yeux fermés, là, la beauté de ce fard à paupières. Il fait vraiment comme ça un effet mouillé. Je le trouve sublime. Je le trouve magnifique, ce fard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer un peu en ratil de ce fard-là. Tiens, je prends un petit pinceau plat Morphe, là. Je vais en appliquer en ratil inférieur, en fait, pour rappeler la couleur. Bon, j'aurais pu mettre un crayon en dessous, mais c'est pas grave, tant pis. Souvent, les fards comme ça, il faut les appliquer au doigt ou... ils sont pas simples à appliquer. Et vraiment, là, je suis épatée. Ouais, je fais un petit ratil léger et après, en dessous, j'appliquerai le marron que j'ai appliqué tout à l'heure. Du coup, je l'ai appliqué, vous voyez, vraiment là en ratil. Et je vais reprendre ce petit marron là
le petit marron que j'ai appliqué tout à l'heure avec un pinceau plus petit. Et je vais le mettre en dessous en fait. J'espère que ça va faire joli. Je vais essayer de lier le... Voilà, parce qu'en fait le marron là, il est là sur mon coin externe, tac. Je vais essayer de le lier, hop, et de faire un petit ratil un peu sympa. Enfin un ratil, un dessous de l'œil quoi. Comme d'hab, hein, j'essaie de bien travailler la liaison sur le coin externe de l'œil. J'ai aucun autre produit de cette marque. C'est le premier produit Natasha Denona que j'achète de ma vie. Parce qu'après, ils font plein de trucs. Hein. Ils font des produits teint, ils font des produits lèvres. Ils font... Avec le mascara, ce sera beaucoup plus joli hein, tout à l'heure. Hein. Bien sûr. Alors du coup, il reste deux fards à appliquer. Les deux là. Alors je sais pas trop. Je pense que celui-là, je vais me faire un petit coin interne avec. Mais j'ai bien envie d'appliquer celui-là aussi. Mais où est-ce que je pourrais l'appliquer celui-là du coup? Bon, je vais d'abord faire le coin interne. Je vais prendre un petit pinceau... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit pinceau Sigma comme ça. Enfin, je vais me faire un coin interne et je vais l'appliquer aussi du côté interne de la paupière. Celui-là, il a l'air un peu plus poudreux. Donc, je tapote quand même l'excédent. Ouais, je vais l'appliquer ici, là. Oula, j'ai peut-être pris un pinceau un peu trop gros. Dites-moi quelle palette vous avez de Natasha Denona. Enfin, si vous en avez. Et notamment des mini-palettes. Si vous en avez à me conseiller des mini-palettes. Parce que je vais prendre un pinceau plus petit pour le coin interne, vraiment... Prendre un petit Nocibé comme ça, avec une base à paupières, ça doit être un truc de fou, hein, parce que là, j'en ai pas mis. Hein. Ils doivent ressortir encore plus, quoi. Vous y croyez, ça? J'ai même pas utilisé de pinceau pour enlever les chutes. D'habitude, même les fards qui ont des chutes qui s'en vont, il faut quand même les enlever un tout petit peu. Là, même pas. Zéro, zéro, zéro chute, quoi. Bon, je sais pas si je vais appliquer le bronze, parce que je sais pas trop où l'appliquer. Je pense que ça va faire un peu too much. Je vais... Oula, il y a mon chéri qui est en train de faire du déménagement. Si vous entendez des bruits, c'est normal. Je reprends juste un petit pinceau comme ça pour bien faire fondre tous les fards, là, les uns avec les autres. Celui que j'ai mis en interne, le rose, le marron, que ça fasse bien... Un joli dégradé quoi. Je trouve que cette palette elle a été super bien conçue. Franchement, les fards ils vont tous super bien les uns avec les autres. Ils s'associent hyper facilement. Ouais. Bravo Natasha Denona. Voili voilou. J'ai quand même envie de l'appliquer ce petit bronze. Je sais pas où le mettre. J'ai peur de tout gâcher. Si, allez, je l'applique. Je vais l'appliquer vraiment en creux de paupière. Enfin, un peu au-dessus. Je vais prendre... Oh là là, ils sont tous sales, mes pinceaux, ils sont tous sales. Franchement, je vais chercher un truc. Je pense jamais à utiliser ma petite boîte là que je me suis achetée pour nettoyer les pinceaux, alors qu'elle marche super bien. Je sais pas pourquoi je pense jamais à l'utiliser. C'est la petite boîte, vous savez, comme ça là. Tac, vous faites ça. Tout le fard se dépose sur la petite éponge là. Et après, le pinceau, il est nickel. Ça permet de les réutiliser sans avoir à les laver, quoi. Je pense jamais à l'utiliser. Elle est là-bas sur mon meuble et... Je sais pas, je la zappe. Oula! Ouais, celui-là, attention, hein. Bon, je vais la... J'ai envie. Franchement, j'ai trop envie de l'essayer. Je vais l'appliquer... Et je vais essayer de l'appliquer là. Tac, voilà. Juste un tout petit peu. Ici. Sur le marron, en fait. Au-dessus de mon creux de paupière. Voilà. Quand même. Au moins, ça donnera l'illusion d'un creux de paupière surélevé. Parce que franchement, quelle galère de se maquiller quand on a la paupière tombante. Je vous assure, c'est une galère. Ah, il est beau, il est magnifique. Il est magnifique. Il est sublime. Je vais mettre du mascara et après je vous montre. Voilà, avec un peu de mascara, je vais vous montrer. Je me mets juste un petit rose là, un petit rouge à lèvres pour aller avec ce make-up. C'est le Made for All. Je mets 376, le Pink for Me. Je suis complètement dingue de ce make-up. Il faut absolument que je vous le montre. J'en suis dingue. J'en suis complètement dingue. Alors, je ne sais pas si vous verrez de là. Je me détache un peu mes petits cheveux, mais je vais aller dehors. Je vais le prendre dans mes mains, l'appareil. Regardez la beauté des fards. C'est tout en légèreté, c'est hyper nude, hyper nature. Je vous montre, regardez ce que ça donne là, dans la chambre pour le moment. Les couleurs, elles sont magnifiques. Je regarde en même temps, hein, mais je trouve que les couleurs, elles sont sublimes. Les marrons, les roses là, le petit bronze, regardez comme c'est joli. Et en même temps, ça fait un make-up hyper naturel, quoi. Enfin, du quotidien. J'adore. Je vais aller vous le montrer dehors parce qu'il faut que vous voyez ces fards, vraiment. Bon, je me suis mis à l'extérieur, dans le jardin, ce qui me permet du coup de vous montrer le maquillage et aussi les cheveux. Parce que regardez, vous voyez, en vrai, dehors, c'est beaucoup moins foncé que ce qu'on voit dans la chambre. Je sais pas si vous voyez là, mais en fait, c'est plutôt pastel. On est dans du rose, violet, mais c'est vraiment du pastel. Et c'est ça que je veux à terme. Là, c'est la première étape parce qu'il a fallu décolorer et tout.
Bon, c'est la première fois que je le fais, mais voilà, à terme, c'est vraiment l'idée, vous voyez, je rapproche, on est vraiment dans du clair, vraiment, c'est pastel, quoi. Bon, bref, on s'en fout. Du coup, le make-up, regardez ça. Franchement, moi, j'adore, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est trop joli. Je rapproche pour que vous voyez bien les roses, le bronze et tout. Franchement, c'est vraiment joli, regardez. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce maquillage et pour tous les jours, je trouve ça parfait. Voilà, bon, j'aurais peut-être pu, là, quand je me regarde, je me dis, j'aurais peut-être pu faire un ras de cils un peu plus intense dans les noirs ou marron foncé pour intensifier le make-up. Mais bon, là, je testais la palette. Franchement, c'est déjà vraiment pas mal. Avec un petit nude rose, je trouve que ça va super bien avec. Ben voilà, voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Et vous voyez comme ils se fondent bien les uns avec les autres. Franchement, c'est top, je suis trop contente. Allez, je retourne en haut. Bon, ben voilà quoi, hein. Je pense que vous aurez très bien vu dehors. Pff, je sais même pas si j'ai besoin de faire la conclusion de cette vidéo, quoi. Enfin, franchement, ça se passe de commentaires. Vous l'avez vu dehors. Voilà, je vous l'ai dit au fur et à mesure quand je me maquillais. Ben, vous avez compris, quoi, les fards, je les trouve sublimes. Je les trouve magnifiques. Ils se sont appliqués avec une facilité de ouf, franchement. J'ai rarement vu ça, enfin en tout cas, ils sont hyper faciles quoi, hyper simples, il y a zéro chute, enfin voilà, pour moi c'est franchement parfait. Là je suis trop contente et je regrette pas du tout mon achat, parce que bon, j'ai quand même dépensé 20 euros pour une mini palette comme ça, mais je regrette pas du tout, franchement je suis super contente, voilà, c'est vraiment, ben c'est top quoi, la palette elle est parfaite. Elle est parfaite, que ce soit au niveau des couleurs ou voilà, ou de la façon dont les fards se travaillent. Donc voilà, voilou. Ben franchement, si vous hésitiez, enfin en tout cas si vous voulez comme moi essayer, tester les fards Natasha Denona, mais que comme moi vous n'avez pas les moyens d'acheter des big palettes, ben franchement tournez-vous vers les petites comme ça. Et franchement, si vous êtes dans le même cas que moi, et que vous me faites confiance, foncez, testez, parce que elles sont super quoi. Franchement, elles sont et c'est les couleurs Natasha Denona quoi. C'est classe, c'est sobre, c'est chic, c'est nude. Tout ce que j'aime, voilà. Crash test 100% réussi. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, la petite vidéo. Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit like hein, si vous avez aimé, comme ça je le saurai. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et comme ça, vous pourrez suivre ma transformation capillaire. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur dedans que dehors. Hein, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et... prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde !